suis avec Bruno Fridlanski, auteur du livre « LinkedIn, développer votre professional branding » aux éditions Kawa. Tout à fait, bonjour. Bonjour Bruno. Alors aujourd'hui, on va parler de LinkedIn et on va faire un vrai ou faux sur LinkedIn. Allons-y. Première affirmation, LinkedIn est le seul réseau professionnel sur Internet. Alors, oui et non. C'est le seul réseau professionnel aujourd'hui, dans un cadre un peu B2B, sur lequel tout le monde est, puisqu'il y a plus de 400 millions de membres au niveau mondial. Mais on peut également sortir de LinkedIn pour faire du business. On peut utiliser Facebook à titre professionnel, on peut utiliser Twitter à titre professionnel, voire même les autres, hein, Instagram, Snapchat, il y en a qui commencent. En France, on a eu un réseau professionnel Viadeo. On ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Ils existent encore, mais c'est compliqué. En Allemagne, il y a Xing. Le X voulant dire crossing en fait, qui est très sur, en fait, sur l'Allemagne. Donc si on fait des affaires avec l'Allemagne, il faut aussi avoir un profil sur Xing. Aujourd'hui, tout le monde est obligé d'avoir un compte LinkedIn. Oui, c'est mieux si on est dans le cadre où on utilise les relations humaines, le networking, et donc le digital va être un élément supplémentaire pour développer son networking. Donc oui, il le faut parce que la majorité du monde y est. Non, si on n'est absolument pas dans le networking. Par principe, j'aurais tendance à dire que c'est bien de faire un profil pour préempter son prénom, son nom, et pas avoir, un vol d'identité. LinkedIn est plus qu'un simple CV en ligne. Non, absolument, ça c'est complètement vrai. C'est un CV quand on va chercher du travail, mais c'est surtout un endroit où on va pouvoir exprimer son expertise. Et donc, quelque part, exprimer son expertise, c'est aussi attirer des futurs employeurs, des partenaires, tout ce qui va nous permettre de développer notre professional branding. Et puis, c'est surtout un lieu où on va nouer des relations humaines avec d'autres professionnels pour développer son business. Donc on est largement au-delà du CV, même si aujourd'hui LinkedIn a la majorité de son chiffre d'affaires fait par le côté RH, avec les chasseurs de tête, les agences de recrutement qui vont justement l'utiliser pour remplir leur mission. Alors du coup, l'important sur LinkedIn est d'avoir le plus de contacts possible. Faux. Si je veux être vulgaire, avoir le plus de contacts possible, courir après les contacts, c'est pour avoir la plus grosse. Et ça n'a aucun intérêt, c'est du personal branding à ce niveau-là. Le seul intérêt d'avoir un minimum de contacts, enfin quand je dis un minimum, en quantité, hein, c'est que ça nous ouvre des portes pour toucher plus de gens. Parce que c'est la notion de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc on a accès à plus de contacts pour pouvoir nouer des relations. L'important, c'est de définir un objectif qu'on va se donner dans l'utilisation qu'on a de LinkedIn, et c'est de mettre des contacts cohérents avec notre ligne éditoriale, avec notre business en fait. Et donc la course au contact n'a aucun sens sur LinkedIn. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une limite à 30 000 qui est mise. Alors déjà 30 000, c'est énorme, mais quand vous voyez que des gens vont se glorifier, qu'ils en ont plus d'un million, je vois pas l'intérêt. Alors les commerciaux peuvent utiliser LinkedIn comme un annuaire de prospects. Oui. C'est l'utilisation qu'on peut avoir de LinkedIn dans un cadre business. On va aller détecter des prospects, on va prendre contact avec eux, on va essayer de nouer une relation avec eux et on va essayer de les rencontrer dans la vraie vie pour aller faire des affaires. On ne signe pas un bon de commande sur LinkedIn. Donc c'est vraiment un annuaire qui est beaucoup plus, qui est digital. Donc ça va nous remplacer notre fameux Rolodex, là où on empile nos cartes de visite. Donc on va avoir des cartes de visite digitales sur LinkedIn toujours à jour. On va pouvoir suivre l'activité de nos prospects et on va avoir de l'information sur eux pour pouvoir prendre contact en s'intéressant à eux. Et donc effectivement développer par la même son business. Alors dernière affirmation, le rachat de LinkedIn par Microsoft est une super nouvelle. Le frof, c'est ça? Oui et non. Alors, je ne suis pas dans la stratégie des patrons de LinkedIn et ou de Microsoft, donc mon avis n'intéresse que moi, je vais dire, on va rester humble. Néanmoins, si je regarde ça en tant qu'utilisateur et de l'extérieur, je suis un peu gêné parce que LinkedIn a un gros manque en réelle connaissance social media, des réseaux sociaux. Il y a des aberrations pour moi. Prendre contact avec quelqu'un en rendant optionnel la personnalisation d'un message, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc ça ne devrait pas exister sur LinkedIn. Il y a plein de petits détails qui font qu'aujourd'hui, il faudrait une grosse couche sociale sur LinkedIn. Et Microsoft, c'est des techos. Microsoft, ils ont racheté Nokia. Ils ont racheté Yammer.
c'est pas devenu incontournable. Ils ont racheté Skype, c'est pas devenu incontournable. Ils ont quand même fermé MSN en disant les messages directs, le messaging, ça marche pas. L'avenir leur a donné tort, enfin le présent même, aujourd'hui. Donc, il manque une dimension également sociale à Microsoft. Donc, je suis un peu partagé sur l'apport que ça va donner à LinkedIn.